Bonjour Lassina. Bonjour William, comment Je vais bien. Je suis ravie, ravie, ravie de te rencontrer enfin. vas-tu? Écoute, au-delà du nom, j'aimerais bien que tu me dises deux, trois mots, qui tu es, où tu es et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bon, je m'appelle Lassina Koné, je suis danseur, jeune danseur chorégraphe du Mali. Et je suis le directeur artistique et fondateur de l'association Danse in Flow. Danse in Flow, qui à la base était une structure qui était basée dans la commune de Kalabankoro, où il a duré 7 ans. Et aujourd'hui, on a déménagé à 45 km de Bamako, dans la commune rurale de Bankoumana, qui fait partie de la première de la région de la deuxième région du Mali, qui est Koulikoro. Et c'est un lieu de résidence, de création, de formation et dans ce village. Je vais t'interroger un peu sur une dimension, dans une dimension un peu onirique. Je crois que dans nos pays, on a besoin de rêver pour faire des choses. Tu Exactement. me diras si je me trompe. Mais en tout cas, je voulais te demander, Lassina, en tout cas, je voulais te rencontrer aussi au travers de tes rêves et je voulais savoir un peu quel est le projet que tu as le plus rêvé de réaliser et est-ce que à un moment ou à un autre, tu as pu effectivement le concrétiser au moins un peu? Ben, merci beaucoup pour cette question qui touche, qui est le rêve qu'on a tous, plus ou moins, ce rêve en nous, qui vit en nous, qui nous fait vibrer, qui nous fait avancer, qui nous fait tenir le jour au jour. Alors, pour répondre à ta question, le rêve qui m'a beaucoup fait tenir encore jusque-là, c'était déjà le rêve de créer un lieu. D'avoir un lieu de travail parce que quand je commençais la danse et au Mali avec si tu vois la taille du pays il y en avait que deux structures qui faisaient vraiment voilà qui avaient des lieux pour des associations privées qui avaient des lieux en danse c'était Donko Seko et la troupe Don Karim Togola Sebalegbougou où je me suis fait former. Donc, du coup, à partir de ce constat, et j'ai vu qu'il y avait ce manque de lieu, dont mon patron me disait que lui, son premier rêve d'abord, pour prouver à la population que son travail mérite d'être reconnu comme un métier, il faut d'abord avoir un espace de travail. Quelqu'un qui n'a pas de place de travail ne peut pas revendiquer ses droits en disant qu'il fait du travail. Donc, lui, son combat était ce lieu, et après. Voilà, je suis encore jeune et je suis encore toujours à la quête de toutes ces choses où je me suis retrouvé à l'école des sables pour suivre des formations à l'école des sables et à la termitière. Donc, j'ai vu aussi des réalités qui m'ont beaucoup touché, le combat de toutes ces personnes qui étaient de poser quelque chose pour enfin donner une place aux jeunes de venir s'exprimer, de venir suivre leurs rêves. Et à partir de ce constat, de ce moment, j'ai trouvé que c'était hyper important chez nous d'avoir qu'il y a un relève, qu'il y a un relève sur la suite de ce qui a été posé. Et donc, ça a été un de mes premiers rêves, de mes premiers combats. Après, là, bien sûr, après la danse, parce que. C'est la danse qui m'a tiré par les oreilles pour venir et après voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en partant encore sur ce même rêve, c'est la transmission qui me touche aujourd'hui beaucoup. On a un lieu aujourd'hui qui est à 45 km de Bamako, sur 2 hectares. On a aujourd'hui 17 constructions, un studio qui est en construction. Une bibliothèque, un grand resto. On a vraiment de la place où on peut recevoir jusqu'à 27, 30 personnes en résidence. Donc, du coup, avec mon équipe, bien sûr, on a pu poser ce lieu. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup et notre rêve d'aujourd'hui avec l'équipe, c'est la transmission.
Ce rêve, ce combat qu'on a fait pendant des années où on a mis notre énergie, on a mis de l'argent, on a pris des crédits, on est endetté pour créer ce lieu, pour montrer à cette génération que c'est possible, pour que cette génération puisse se dire que chez moi, c'est possible de venir en résidence. Chez moi, au fait, c'est possible pour créer un modèle ou des appuis, parce que dans la vie, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose pour avancer. Si on n'a pas de repères, on ne peut pas avancer. Donc, les repères dépendent de ce qu'on voit, des personnes qui nous entourent, des personnes qui nous touchent. Donc, après maintenant qu'on a posé ce lieu qui est sur le point d'être finalisé, et comment le transmettre? C'est la chose sur laquelle on n'arrête pas de s'interroger, de se poser la question. On s'est dit, on va se donner 10 ans, on va se donner 15 ans pour repérer quelqu'un à qui on peut transmettre ce lieu. Et si ce rêve de construire ce lieu s'arrête à nous, nous qui l'avons fait, on n'a pas rêvé. On voulait juste faire quelque chose pour notre ego, pour notre moment. Mais si c'est vraiment un rêve, on s'est dit, c'est important que le rêve continue dans la main de quelqu'un d'autre. Que dans 15 ans, on soit sur autre chose et qu'on voit la structure évoluer sans nous. Ça, aujourd'hui, c'est une des choses sur laquelle je réfléchis avec mon équipe où on se questionne sans arrêt. Donc, c'est toujours laisser la place, transmettre le rêve à quelqu'un d'autre pour le suivre. Et que cette personne aussi le transmet à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Que dans un siècle ou dans deux siècles, que ce lieu soit là et qu'on dit juste que oui, c'est commencé par deux, trois personnes et on se rappelle même plus de leur nom, c'est pas un problème. Mais que ça continue. Voilà. C'est très beau, c'est un très beau rêve et moi je pense que il y a d'abord notre rêve et ce rêve-là, il ne peut que se transmettre à un moment parce que c'est vraiment, enfin je pense, la première pierre qui se pose et Exact. cette pierre-là, elle permet aussi de guider, de Exact. donner une certaine confiance ou en tout cas de l'espoir à d'autres. De se dire que c'est possible. Et c'est à partir de là que aussi il y a d'autres rêves qui se mettent par-dessus ou à côté, ou en tout cas, il y a quand même une voie qui se trace. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que à partir du moment où on a un rêve, en tout cas, je crois qu'on a un rêve aussi puissant, aussi important à nos yeux, les autres y adhèrent. Les autres ont envie en tout cas de te suivre dans ton rêve parce que tu y crois et que c'est possible d'y croire. Exactement, je Ça, suis c'est. Et je tout à crois fait que d'accord. d'ailleurs, c'est à mon avis, enfin, je ne sais pas, mais peut-être que tu peux nous dire aussi comment tu as réussi finalement à faire que les autres aussi acceptent de te suivre là-dedans. Est-ce que c'était simplement. Parce que ton rêve était clair et que tu le portais haut et fort, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les a motivés pour dire OK, Lassina, on te suit et on fait confiance à ton projet? Bon, c'était pas au début, c'était pas évident parce que déjà, quand tu invites quelqu'un à te suivre, un débutant, quand tu débutes un truc, un nouveau projet, tu invites des gens à te suivre, c'est pas évident tout de suite que ces personnes te suivent. Il faut que tu arrives à faire tes preuves, que tu arrives à les montrer qu'il y a de l'avenir et aussi, les personnes avec qui j'ai commencé l'association, c'est des personnes que je connais bien. Il y a un ami d'enfance qui est aujourd'hui le coordinateur, qui était trésorier, Tamba Doumbia qui est aujourd'hui le coordinateur, et l'ancien président qui est un cousin qui m'a vu grandir à ses pieds. Il est chrétien, il bricole tout, et qui était toujours là. Et moi-même, je t'ai dit, avant d'être danseur, je travaillais dans les chantiers, j'étais maçon. Donc, tout ce qui est les bricoles et toutes ces choses, dans la famille, on vient d'une famille où le papa il nous obligeait vraiment, ça faisait partie de l'éducation de travailler vraiment, de travailler sans arrêt parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et la seule chose que lui, il trouve qu'il pouvait nous donner, c'est qu'on arrive à se battre n'importe où pour pouvoir vivre. Donc, du coup, avec ces éducations, ces personnes que tu croises, donc, je me suis dit, c'est possible.
En voyant aussi Karim qui m'a mon patron Karim Touala qui m'a expliqué son histoire. Et quand j'arrive chez Germaine qui dit j'ai vendu ma maison à Paris pour construire ce lieu. Et quand tu vois arrive à Ouaga, c'est où t'expliques leur histoire et Salia, c'est que il faut des sacrifices. Il faut à un moment donné que quelqu'un se sacrifie pour que d'autres puissent en profiter. Et pour que ton équipe te suive, pour que l'équipe me suive, déjà, les premières personnes de l'équipe, ça a été ça. J'ai travaillé vraiment, c'était pas la danse, mais notre premier lieu, dans le central dans Sinfulo, à Kalamankura, à Bamako, ça a été créé comme ça. Je suis venu un jour, j'ai dit, les gars, je vais construire un lieu de danse ici. Bon, ils m'ont dit que je fumais, que j'étais fou, que c'était pas possible. Mais 2 ans après, ces mêmes personnes sont venues nous voir en disant que ah, vraiment c'est possible. Et c'est 4 ans après ce lieu que j'ai rencontré ma femme aujourd'hui, Agnès Kier, qui était vidéaste, où par la tête des projets, je l'ai invitée doucement à venir dans l'administration parce qu'il n'y avait personne aujourd'hui qui gère bien l'administration, la communication, la vidéo. Donc, tout de suite, qui a adhéré au projet, qui a trouvé que c'était un rêve parfait où elle peut s'intégrer et où elle peut aussi soutenir à faire. Parce que le but était que, c'est que au Mali, vous savez comme moi, que ce soit chez vous, que ce soit chez moi, que ce soit. Bon, ici, il y a des repères et tout, il y a moins de repères. Et tout le monde veut partir. Donc, quand tu décides de rester, les gens qui partent, et ils partent, ils vont danser parce qu'il y a un système en place. Mais quand tu décides de rester, tu ne vas pas juste danser. Tu vas danser, tu vas construire, tu vas éduquer, tu vas faire tellement de choses pour qu'un système puisse se mettre en place. C'est une question utile. En tout Oui. cas, moi, ça me laisse entendre que dans nos pays, on a besoin de modèles aussi pour pouvoir rêver, pour construire aussi nos propres modèles. Et ça, Exactement. c'est extrêmement important. Et je trouve que c'est magnifique ce que tu es en train de faire avec les autres. Je trouve ça admirable parce qu'il y a tout un programme, en fait, c'est un projet de vie. Aussi bien et qui en fait dans nos pays ne nous concerne pas que nous individuellement, jamais. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a besoin de s'étendre et qui a besoin de toucher, de répondre à un tel manque qu'il a besoin de toucher un maximum d'autres personnes. Ouais. Et ça, c'est très beau parce que des fois, on a des. En tout cas, on a des rêves qu'on essaye de nous vendre et qui ne sont absolument pas adaptés ni adaptables à nos contextes. C'est clair. Et très souvent, et je pense que tu as dû en faire l'expérience, c'est sûr. Je pense que tu peux même nous raconter, là, sinon, je ne sais pas, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un rêve qu'on n'a jamais réussi à te vendre en tant que danseur? Bon, le rêve qu'on a jamais pu me vendre comme danseur, quoi, c'est que la solution, c'est ailleurs. C'est que la solution n'est pas chez soi. C'est le rêve qu'on n'a jamais pu me vendre. Et quel qu'en soit le problème, mon père, il me disait que dans l'enfance, que dans la vie, il faut que d'autres personnes profitent de toi. Si toute ta vie, ça s'arrête à ce que tu fais, ça s'arrête à ta personne, tu n'as pas vécu. Il dit, tu vois, le serpent aveugle arrive à vivre sans l'aide de personne. Donc, si toi, ton travail s'arrête à vivre, tu n'as rien fait. Donc, c'est de trouver la solution sur place. C'est difficile. C'est difficile que beaucoup partent. Mais si on part tous, il y aura qui pour créer un avenir? Je ne peux pas partir et dire aux autres de rester. C'est paradoxal. Et c'est souvent ça qui arrive beaucoup. C'est partir et dire à ceux qui sont là, il faut rester, l'avenir c'est là-bas. L'avenir de l'Afrique, pour moi, l'avenir de l'Afrique dépend de l'investissement de chaque Africain sur le sol africain.
L'avenir dépend de ça. Merci, Lassina. C'est très inspirant. Ça me donne envie de venir voir ton lieu et je suis ravie de voir cet engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, Ça merci. fait plaisir. Moi aussi, ça fait beaucoup, beaucoup plaisir. Et j'espère bientôt que dans ces années à venir, on va rester en contact. Il y a des choses à Voilà, faire. déjà restons en contact, posons-nous des questions aussi les uns les autres. Je crois que c'est aussi à partir de là. Tu sais, la chose qui me fait vraiment plaisir au-delà de ça, c'est de vraiment rencontrer d'autres démarches et de rencontrer des gens qui, peut-être qu'on vit des réalités qui se ressemblent, entre guillemets, un peu, mais en tout cas, de voir comment chacun se les approprie, chacun comment il combat ça, chacun comment il construit à sa manière sur son territoire. Ça, pour moi, c'est vraiment une source de motivation, d'inspiration, de stimulation extrêmement importante, nécessaire, Ouais. vraiment. Exactement. Quand tu parles de territoire et de pour revenir, je vais te poser quelques questions aussi Je en t'en revenant. prie. Parlant de territoire comme toi, tu es du territoire, votre territoire c'est Maroc. Et donc je vais vous laisser vous présenter déjà. Oui, c'est vrai, il faut faire ça. Oui. Écoute, comme tu disais, oui, moi je suis basée à Casablanca. Je m'appelle Marim Jazouli. Je suis installée à Casa depuis 25 ans maintenant. Je suis rentrée après avoir fait des études de danse en France et je suis rentrée au Maroc à une période où vraiment la danse n'existait pas. Mais vraiment, vraiment, je crois qu'il y avait une seule personne dans tout le Maroc qui faisait de la danse, je veux dire, à l'endroit où j'avais envie de le rencontrer, c'est-à-dire la danse avec toute la dimension artistique. Comme un art et pas comme simplement un loisir. Donc ça a été une période extrêmement compliquée à ce moment-là. C'était très très dur de revenir d'un contexte riche où on était dans un vrai milieu, à un désert un peu où tout était à faire. Et en même temps, c'était aussi ça le challenge et le, comment dire, la motivation aussi, elle était dans ça, dans le fait que tout était à faire et qu'on pouvait tout inventer. Donc ça a été une période assez stimulante. On était dans enfin, j'ai finalement rencontré quelques personnes à Marrakech, comme Tofik Residio, qu'on connaît tous. Les choses ont commencé à s'organiser un peu de cette manière-là, de manière assez très, comment dire, très petite au départ, mais graduellement, on a commencé à rêver ensemble pour rester dans cette dimension-là. Donc je fais de la création aussi, j'ai fait des spectacles qui ont tourné. Qui ont tourné ici un peu, enfin au Maroc un petit peu, à l'international. Puis j'ai par la suite fondé un lieu qui s'appelle l'Espace Darja parce que comme toi, j'avais envie de créer l'endroit où je pouvais laisser exprimer aussi ce que j'avais envie de rencontrer en termes de danse, en termes de démarche, en termes d'engagement. Donc j'avais envie que ce soit un endroit où on pouvait réunir des forces de questionnement, de mouvement, et qui étaient vraiment dans un rapport sensible à la danse, à l'être, à la construction du danseur. Donc ça a été c'est un lieu, enfin c'était parce que je l'ai fermé, on a fermé il y a 2 ans. C'était un lieu qui était avant tout d'abord un lieu de résidence où on recevait beaucoup de chorégraphes. C'était un lieu de transmission aussi où on a formé beaucoup de jeunes danseurs marocains.
Et c'est une structure qui a permis de porter des projets dans Casablanca parce que c'était très important pour moi aussi d'aller au-devant d'autres publics, des publics qui ont difficilement accès à l'artistique, à la culture. Et donc, chaque année, je mettais en place un projet artistique. Soit autour de la danse, soit autour de la danse et d'autres médiums dans des quartiers périphériques de Casablanca. Donc voilà, le lieu n'existe plus, mais la structure existe encore. Elle nous permet de continuer à porter des projets et à poursuivre des collaborations avec d'autres structures et d'autres artistes. Ouais, 25 ans de lutte, de travail, de création, de fabrication de l'être humain sur le sol marocain, jusqu'à ce que le lieu se ferme. C'est vachement riche, vachement. C'est beau, c'est incroyable. C'est intense, ça a été intense. J'espère que ça le sera de nouveau Ouais. après cette période un peu de repos biologique et mondial comme ça, et artistique et culturel. J'espère que ça reprendra et qu'on pourra de nouveau remettre en mouvement. Parce que ça c'est vraiment ma première motivation, c'est de mettre en mouvement. En parlant de mouvement, déjà 25 ans sur ce sol, en portant tous ces projets, je trouve qu'il y a un grand mouvement que vous avez pu mettre en place. Et en faisant venir beaucoup de grands chorégraphes, en faisant découvrir aux jeunes danseurs depuis 25 ans, et chorégraphes sur le sol marocain. Et la question que je voulais te poser ensuite, déjà après avoir mis 25 ans de votre énergie sur ce sol, que vous continuez encore à le faire. Et dans 20 ans, comment vois-tu la danse contemporaine au Maroc? Après 25 ans de... Dans 20 ans. Alors écoute, sincèrement, comment je le vois ou comment j'aimerais le voir, des fois ça se confond un peu. Les deux. Les Comment deux. tu le vois aujourd'hui et comment tu aimerais le voir? Ah écoute, comment j'aimerais le voir, ça serait du domaine. Oui, ça peut aussi rejoindre comment le voir. À partir du constat, si tu veux, que je me fais aujourd'hui. Et de ce que je peux constater comme critères, comme paramètres un peu là aujourd'hui au Maroc, je suis assez optimiste dans le sens où je vois d'abord de plus en plus de jeunes qui vont vers la danse de manière assez naturelle. C'est-à-dire que ce n'est plus un obstacle, ce n'est même plus une question de se dire. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être danseur? On n'est plus dans des questions de l'ordre comment dire, de la culture en termes de tabou. Est-ce que je peux être danseur? Qu'est-ce que ça veut dire être danseur au Maroc? Ça existe encore, mais c'est quelque chose que les jeunes dépassent de plus en plus facilement. Donc ça me laisse quand même me dire que il y a une première démarche, ou en tout cas un premier désir qui suffit à motiver ces jeunes-là. Chose qui n'existait pas avant. Avant, c'était vraiment très difficile, aussi bien pour les filles que pour les garçons, d'envisager la danse comme un éventuel métier, comme en tout cas un endroit d'épanouissement, de construction et de projet de vie. Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de jeunes qui vont vers la danse et qui y vont en étant alertes quand même, qui sont quand même très connectés, qui sont quand même qui sont au courant, qui se rencontrent aussi par le biais de toute cette technologie qui leur facilite quand même beaucoup les choses, contrairement à nous, à cet endroit-là, en tout cas de la rencontre et de pouvoir
de pouvoir s'échanger, échanger, se donner plein d'informations. Donc ça, je pense que c'est un plus. Après, j'espère et j'aimerais qu'il puisse y avoir, si tu veux, une vague ou un détonateur qui leur permettrait de s'accrocher à quelque chose. Nous, il y a 25 ans, je reviens très souvent au passé, mais nous, il y a 25 ans, il y a eu réellement un mouvement au Maroc qui s'appelait un peu Naïda, ça veut dire debout. Et c'était un mouvement culturel et artistique qui était assez généralisé et qui nous a donné vraiment un élan. Et j'espère aujourd'hui que ce sera qu'il va y avoir, de par la situation actuelle, un besoin de retrouver un élan dans le milieu culturel parce que les jeunes se sentent étouffés de par cette année comme ça, un peu en dehors de tout circuit, en dehors de tout travail, en dehors de tout rêve. Donc j'espère qu'il va y avoir un élan, que cet élan va pouvoir être un peu structuré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir leur donner des moyens de rêver la suite. Des moyens de rêver la suite, c'est déjà de par la considération qu'on peut leur porter. De dire, OK, on entend que le milieu artistique, que le milieu culturel, que le milieu de la danse s'enrichit de jeunes potentiels. On va vous aider, vous considérer, vous écouter et vous donner peut-être les moyens de travailler et de construire, même si ce n'est que par vous-même, même si c'est d'abord par vous-même. J'espère qu'il va y avoir cet élan pour permettre, moi j'aimerais que dans 20-25 ans, on ait des lieux, beaucoup de lieux au Maroc qui permettent essentiellement, et je dirais que s'il y a un endroit où il faut commencer la chose, c'est l'endroit de la formation, l'endroit de la transmission. Parce que si on dit d'abord le premier pas de la danse peut se faire chez toi, alors déjà je peux mettre mes deux pieds sur cette terre-là, c'est-à-dire sur ce sol-là. Je peux commencer les deux pieds ici et je peux déjà rêver en tant que danseur. Et rêver en tant que danseur, c'est d'abord danser. Et ça, pour moi, ça serait vraiment, oui, la première bataille gagnée. Ça permettrait que dans 20-25 ans, on ait effectivement beaucoup de jeunes qui soient dans l'envie d'inscrire la danse vraiment comme ça y est, c'est à part entière un secteur, c'est à part entière un métier, c'est à part entière voilà, c'est des êtres qui sont dans la danse et qui peuvent continuer au travers de la danse, au travers du mouvement du corps, au travers des questions liées au corps, à s'exprimer, à partager, à transmettre. Donc, j'espère que je verrai ça dans 20 ans. Ah, ça, c'est, j'avoue que ça fait plaisir. Je pensais pas un jour apprécier ce temps de pause de Covid, mais je pense que ce temps de Covid, quand même, t'a donné le temps de réfléchir à pas mal de choses et ça me touche énormément. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'après 25 ans de travail sur le sol, que tu as encore d'autres idées, d'autres projets pour la suite. Surtout, ce qu'on dit jamais. Ce qu'on ne dit pas dans le métier, ce qu'on ne dit pas forcément. Et ça, je pense que c'est très important de faire ce train, d'enseigner ça et de faire vivre ces moments, de faire comprendre la nouvelle génération ce qui t'attend en tant que danseur et comment il faut faire. Et merci beaucoup encore pour cet engagement et pour ces rêves qui ne s'arrêtent pas. Et 5 ans plus tard, et continue encore à rêver de nouveau sur un autre axe. Ouais. Ça fait plaisir, ça donne de l'espoir.
Bon, ça, il faut qu'on en prend les histoires On revient sur le là. rêve. On revient sur le rêve. Qu'est-ce Vas-y. qui t'a, touché profondément et t'a fait comprendre que tu pouvais, que tu te trouvais à la bonne place ici était, c'est que c'était ici tes rêves au Maroc. Qu'est-ce qui t'a touché profondément et qui t'a fait comprendre ça, que c'est ici qui est ma place et c'est ici mon rêve. Alors écoute, je crois que toutes les rencontres que j'ai faites, tous les projets que j'ai menés, tous les, enfin, qu'on a menés ensemble, tout ce qui a, tous les endroits où la danse a réussi à toucher ou en tout cas à faire bouger quelque chose, quelqu'un, c'était des moments qui me faisaient me rendre compte que j'étais, en tout cas, qui me confortait dans le fait que je me rendais compte que j'étais à la bonne place. Tu sais, je crois que le corps, il est toujours en mouvement et c'est pour moi, au-delà d'une forme d'expression, la danse, c'est une force d'expressivité. Et ça, pour moi, à chaque fois, j'ai pu m'en rendre compte, aussi bien au niveau des gens avec qui je travaillais que du public. Et cette rencontre-là, à des endroits très improbables. Tu vois, c'est vraiment très souvent tellement éloigné Eh ben, je me dis, il n'y a que au travers de ces moments-là qu'on arrive à connecter un tout, à créer, entre guillemets, une certaine unité, ou en tout cas à créer quelque chose qui permet. D'abord chez les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai travaillé, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, de voir s'exprimer une forme de liberté. Ça pour moi, ça a été le plus beau cadeau à chaque fois que je pouvais m'en rendre compte ou le toucher du doigt ou du regard, en tout cas. Quand je voyais qu'on arrivait à se sentir libre, à trouver une certaine liberté en soi, ça pour moi c'est phénoménal parce que d'un coup il y a une dimension qui s'amplifie comme ça où tu as vraiment le sentiment que la personne elle est au bon endroit, au bon moment, et qu'il n'y a rien d'autre qui importe. Il y a quelque chose qui résonne tellement en elle que tu te dis, c'est pas possible que cette personne reste la même. C'est pas possible que cette personne ne fasse pas bouger ou ne bouge pas encore ailleurs. Ça, pour moi, c'est des moments très forts. À chaque fois que j'ai réussi à contourner le système ou à détourner des choses et que ça me permettait d'aller au bout de ce que j'avais en tête, c'était pour moi des grandes victoires, même si c'était des tout petites choses. Je me rappelle d'un projet que j'avais mené avec des femmes. C'était des femmes qui avaient plus de 50, 60 ans, et on avait travaillé ensemble dans un quartier un peu périphérique de Casablanca pendant un an. Et je me rappelle qu'avant de démarrer le projet, j'ai été les rencontrer pour essayer de leur expliquer ce que j'avais l'intention de faire pendant cette année-là. Et elles sont revenues quelques temps après en me disant, écoute, Myriam, nos maris, nos fils, enfin, trouvent ça très étrange qu'on veuille faire de la danse. J'ai dit, ben, écoutez, qu'à cela ne tienne, on va changer l'intitulé et on va appeler ça cuisine corporelle. Cuisine corporelle. Ça ne sera pas un atelier de danse, ça sera un atelier de cuisine corporelle. Et donc, elles sont reparties et elles sont revenues en me disant, OK, c'est bon, on a réussi à défendre ça. Le mot cuisine a permis de ne plus entendre le mot corporel. On est avec toi et on a et j'ai réussi à emmener, enfin, j'ai réussi, c'est pas vrai, mais on a réussi ensemble aller jusqu'au bout d'une année d'atelier à présenter des choses devant tout le quartier, leur famille,
à faire entendre leur voix, parce qu'il y avait des interviews d'elles, des photos, des moments, et elles portaient ça avec tellement de force et de conviction, c'est-à-dire qu'elles y ont trouvé aussi cet espace d'expression, de liberté, d'échange. Y a quelque chose qui était plus du tout au même endroit. On avait vraiment voilà, fait une traversée ensemble. On avait tissé quelque chose qui permettait en tout cas de ne plus rendre impossible ce genre d'initiative. C'était quelque chose qu'on pouvait voilà, désormais on pouvait venir et faire ensemble des projets artistiques. Cuisine corporelle, j'adore. Voilà. C'est très beau et c'est fou comment on peut voir la force dans les mots, tu vois. C'est au lieu qu'on le voit dans les danses, les ateliers de danse, il faut juste changer les mots pour que ça soit accepté à quelque part. Et j'avoue que encore le métier du danseur, c'est pas un métier qui est reconnu forcément. C'est un problème. Je pense pas que ça soit juste africain aujourd'hui. C'est un problème international. Et comme je disais, j'ai l'habitude de dire aussi aux danseurs ou aux personnes que je rencontre, c'est que aujourd'hui, il faut réfléchir à comment éduquer notre population à travers le métier qu'on mène. Et même nos politiques, si les politiques n'arrivent pas à mettre de l'argent dans la culture parce qu'ils n'ont pas été bercés à un moment donné et Absolument. par la culture, ils se sont jamais croisés dans une rue où il y a eu un dialogue profond. Donc, pour que les futurs politiciens puissent participer ou financer la culture, c'est le moment maintenant d'éduquer les futurs politiciens au métier des artistes et tout. Et pour continuer sur notre sujet, vous êtes danseuse, chorégraphe, et à 25 ans, en tant que femme, ce n'était pas du tout évident. Aujourd'hui, c'est la place en tant que femme dans la société, comme vous venez de dire, cuisine corporelle. Il a fallu que ce soit cuisine corporelle pour que ça soit accepté. Et vous, je voulais juste vous poser cette question sur comment vous avez pu tenir durant tous ces temps en tant que femme dans le milieu de la danse, un. Et deux, pour finir, quels conseils vous avez pour donner aux jeunes filles, aux jeunes chorégraphes, à ces jeunes femmes qui veulent faire aussi du chemin dans le métier de la danse? Écoute. Alors, pour moi, si tu veux, j'étais dans une telle dynamique que je ne me suis pas tellement, je me suis pas tellement posé la question de me dire en tant que femme, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une dynamique où je fonçais. Et vraiment, je m'embarrassais pas, j'y allais. J'ai été éduquée avec deux grands frères qui étaient un peu. Très tôt, il a fallu faire sa place. Et là, encore une fois, j'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse ma place. Donc, j'y allais au même titre que tout le reste. C'est vrai que je me suis aussi pris des murs aussi de face parce qu'on n'avait pas. On m'a souvent et on n'a souvent pas voulu m'écouter parce que femme, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêchait de retaper à la porte. C'est-à-dire que vraiment, jamais je n'ai pu accepter ou je n'ai jamais accepté qu'on ne me réponde pas parce que j'étais une femme. Ça vraiment, ça a été. C'est vrai que j'ai toujours été assez. Tenace ou pugnace, ou j'en sais rien comment dire, mais ça, c'était pas valable comme réponse. C'était pas possible que je puisse l'accepter. Donc, j'ai toujours foncé droit devant. Je trouve que les femmes chez nous, elles sont j'avoue que je suis toujours impressionnée par la force qu'elles peuvent avoir, l'énergie qu'elles mettent dans tout ce qu'elles construisent. Donc, j'ai souvent été
très impressionnée, et ça, je veux dire, pas simplement dans le domaine culturel ou dans le domaine artistique, mais dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples. Je pense que nos mères, nos grands-mères ont été des exemples admirables de cette capacité à enfoncer les portes, de cette capacité à imposer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas à imposer, à pousser. Et ça, pour moi, ça a toujours été une grande source d'inspiration. Donc, si tu veux, ce que je pourrais donner comme conseil à ces jeunes danseuses ou futures danseuses ou à ces jeunes danseurs, en tout cas à tous ces jeunes en général, c'est d'abord effectivement de rêver, mais de ne pas faire simplement que rêver, parce que rêver, c'est le premier. La première fenêtre, mais après, il faut travailler pour réaliser son rêve. Il y a une chose qui est, à mon sens, essentielle, c'est la curiosité, parce qu'il faut être curieux dans ce métier. Il faut être curieux dans le sens où il faut chercher à savoir plus, chercher à s'interroger plus, chercher à ne pas simplement être suiveur, mais plutôt moteur aussi, chercher à connaître et à voir aussi, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui a peut-être pu déjà être construit et comment moi-même je peux imaginer construire ou m'inspirer de ce qui a été construit pour construire différemment. Mais en tout cas, la curiosité, être toujours curieux. De ce que je ne sais pas, ou de chercher à savoir ou à en savoir plus, pour moi, c'est un des éléments qui peut aider tous ces jeunes à continuer à avancer. C'est jamais, jamais s'arrêter sans questionner encore, sans faire bouger, ouais, d'être tout le temps en mouvement. Toujours pour continuer à alimenter le reste, à alimenter les rêves, à alimenter le corps, à alimenter l'imaginaire, à alimenter, même si tout se fait un peu comme ça, en se croisant un peu, l'un qui alimente l'autre ou l'autre qui alimente l'un, voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Merci, Lassina, c'était un Et plaisir de merci discuter pour avec tes toi. messages. Je pense qu'on va prendre le conseil de la fin comme notre mot de la fin, c'est de rêver, de continuer le rêve sans arrêt et de travailler dur pour arriver à nos rêves. Absolument. Je te rejoins là. Donc, laisser libre cours à l'imaginaire. Merci beaucoup. Merci. C'est un puissant fond. Merci beaucoup. À C'est très bientôt, un Lassina. plaisir. À très bientôt. À très très bientôt. Ça fait plaisir.